Le basket français est en deuil. L'ancien joueur et président du club de Limoges, Prouna, Frédéric Forte, est décédé dimanche soir d'une crise cardiaque à l'âge de 47 ans, a révélé l'AFP en citant des sources proches du club. La mort de l'ex-champion est survenue juste avant l'heure d'aller réveillonner. L'ensemble du club du Arrobas Limoges a l'immense douleur de vous annoncer le décès de son président Frédéric Forte. Le club présente toutes ses condoléances à ses enfants, sa famille et ses proches, a confirmé le CSP de Limoges, lundi 1er janvier. Triste d'apprendre en début de soirée la disparition de Fred Forte. Une grande figure du basket français. Fred était courageux, entier, amoureux de son sport et fidèle à ses convictions. Pensez à sa famille, ses filles, ses amis et son club. A réagi sur Twitter le président de la Fédération française de basketball Jean-Pierre Suita. On a perdu un grand président, a déploré de son côté Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket, LNB, au micro de RMC. Ancien meneur international, 75 sélections, notamment passé par Caen, Limoges, Gravelines ou encore le PSG Racing. Forte avait été sacré 3 fois champion de France, avec le CSP. Et avait participé activement au sacre du club limousin en Coupe des clubs champions en 1993 contre le Benetton Trévise, Italie, Tony Kukoc, qu'il avait affronté lors de cette fameuse finale, où Forte intercepta l'un de ses tirs, pour offrir les points décisifs aux Limougeaux. A fait part d'une nouvelle horrible, et profondément triste à l'équipe, qui consacre sa une à ce monstre sacré du basket tricolore. Démarrer l'année par cette triste nouvelle. Mes pensées pour les proches, la famille de Monsieur Fred Forte, le monde du basket et... Figure du club, Forte avait repris les rênes du CSP en 2004 en National 1, 3e division, et l'avait fait remonter dans l'élite, décrochant même 2 titres de champion de France en 2014 et 2015.